Damn les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça où je parlais un peu de tout et de rien. Plusieurs choses. La première, je souhaite vous remercier voilà, pour les 1000 abonnés. On y est arrivé, ça y est, en quelques semaines, donc c'est super cool. Merci beaucoup, merci de tout cœur. Juste pour vous dire voilà, que là j'ai changé. Là j'ai la petite vue du balcon. J'ai fait le stage à côté de Narbonne. Et du coup j'ai personne pour me filmer. Donc c'est un peu compliqué pour faire de longues vidéos. Ce week-end je retourne sur Toulouse. Donc je vais pouvoir vous préparer une bonne vidéo bien comme il faut pour les 1000 abonnés. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse un petit indice. Écoutez. Donc voilà, donc petit indice pour la vidéo surprise pour les 1000 abonnés. En attendant, pour venir un peu à la muscu, je commence petit à petit à préparer la sèche. J'ai commencé à acheter les légumes, même si j'en prenais en première demain, j'ai commencé à augmenter les quantités. J'ai commencé à réduire le riz le soir. J'ai enlevé la banane, j'ai remplacé par une pomme. J'ai enlevé les galettes de riz. Un pote, Nicolas, si tu regardes cette vidéo, et tu la regarderas j'en suis sûr, m'a conseillé le pain enzyme. Donc voilà, donc je vais tester ça dans les prochains jours. Et toujours le shaker de whey qui fait plaisir naturellement à 10h, à 16h pour les deux collations et après l'entraînement. Donc voilà, je trouve une super salle à côté là de Narbonne, impeccable. Il y a une salle un peu crossfit, un peu muscu, donc top, rien à dire. Et voilà, attendant je vais vous faire visiter un peu la vue que j'ai, la magnifique vue. Hop là. Petite vue sur la mer. Au calme. Donc voilà. Donc je suis à Narbonne pour 4 mois. Donc s'il y en a qui veulent qu'on s'entraîne ensemble, que c'est dans le coin, etc., ça serait avec grand plaisir. Je voulais remercier aussi pour tous les commentaires voilà, que vous m'envoyez sur la page Facebook. Toujours je reçois des super messages d'encouragement, etc. Ça me fait chaud au cœur, ça fait très plaisir. Je fais en sorte de répondre à tous vos commentaires. Donc si vous avez des questions par rapport à la muscu, par rapport à autre chose, etc., vous voulez discuter, bon, je sais pas, de tout, de rien, pas de soucis, écrivez-moi sur Facebook. Le lien sera dans la description. Ah aussi, beaucoup de personnes me disent ouais, c'est quoi cet accent, tu viens d'où, etc. Alors, moi je viens de Toulouse, c'est pas un secret, mais normalement j'ai pas un accent de camionneur. Lynn, si tu m'écoutes, elle est pour toi celle-là. Mais je sais pas, quand je suis tout seul devant la caméra, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je parle comme je parle avec un accent fort, je sais pas pourquoi. Voilà, quand je dans la vie tous les jours, ça va à peu près. L'accent est présent, mais sans plus. Mais là, tout seul devant la caméra, je sais pas. Me demandez pas pourquoi, je sais même pas. Ah oui, qu'est-ce que j'avais rajouté? Oui, des personnes m'ont dit, ouais. Je sais pas si tu fais de l'asthme ou quoi, mais tu respires fort, on a l'impression que tu as du mal à respirer. Non, c'est juste que à chaque fois que je fais des vidéos, en fait, j'enquille des grosses séances avant. Là, je sors d'une grosse séance de canne et le temps de monter les escaliers et tout, de prendre le shaker et tout, je vous fais la vidéo en speed. Et c'est vrai que j'ai pas le temps de récupérer encore et donc voilà, j'ai encore l'entraînement sur les poumons, mais voilà, c'est tout, rien de. Pas de problème, ni rien. Donc voilà. C'est juste une petite vidéo pour vous dire que je vous prépare une vidéo pour dimanche soir. J'espère qu'elle sera prête, j'espère. Pour la semaine d'après aussi avec mon pote Thibaut que je remercie aussi, qui m'aide beaucoup dans les tournages, etc. Ouais, on est deux Thibaut, ouais, c'est Thibaut, je sais pas pourquoi. Et qui m'aide beaucoup dans les tournages. Et voilà, donc on vous prépare plein de vidéos, plein de contenu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme une vidéo. Si vous voulez plus voir du fun ou des conseils sur la muscu, etc. Dites-moi tout dans les commentaires, j'y répondrai. Donc là voilà, il va être 7h. Je vais préparer mon riz avec des portions plus réduites. J'ai acheté du colin pour changer un peu. On verra ce que ça donne. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à m'écrire sur Facebook pour des conseils, etc. Voilà, je vous répondrai avec plaisir. Et on se voit très vite pour une vidéo un peu plus longue et avec plus de fun et de pump. Merci à tous. Boum.